Oh, partout à travers le monde, bo te pe boye bolamu na manaka ya pona Congo to bo sanité to yebi biso banso ke zali dans 5 jours exactement de seni anso benga électoral na makambo etali bongo depo ya ba candidature kasi na tango wana a quelques mois de élection na ngambo opposition mo ba retrait ezali ko salema Martin Fayulu annonça ki lobi eleki retrait ya ye na disanga politique naye na processus électoral en cours, pas de dépôt de candidature à tous les niveaux. Donc, liste yaba électeur et kozala refaite te na transparence n'yon sope audité na cabinet extérieur compétent. Mon amboka Martin Fayulu, candidat ya Lamuka na ba élection en 2018, talisi ke a signalé pe a talisi ke boycott yaba élection et sali na vocabulaire na bangote kasi alingi ke ma ponomie sale mama lamu ezala crédible pe apaisé. Retrait à Martin Fayulu au processus électoral, on en parle encore. C'est dit déjà entendu, le gouvernement s'emploie pour la sécurisation et le financement du processus électoral. Réaction, il y a Patrick Mouyaya, Katembouya, Azaïk, Lobiliboso, il y a Bapandi Sango, porte-parole, il y a gouvernement. Atalesi que opposition et Zalaki Nango n'a pas sa élection, te bango bazo zela dialogue, oyo, et qu'on sale maté selon pouvoir. Élection 2023, Toti Kalawana, bloc de l'opposition divisé, contrairement à Martin Fayulu, Moïse Katumbiye, à l'obia kokende na maponomi. Selon, juste moko porte-parole naye Olivier Kamita, toi salam, à Salaki Lobby, à Talisi, que Bango, bako déposé ma candidature, pe bako kende bongo, na maponomi, ya le 20 décembre prochain. Il faut signaler, de naloba kiango, c'est dans 5 jours, de batounion sob, et sengil baki neko déposé, ya Bango, ba candidature, kasinangambo, y opposition, si ma FCC, Martin Fayulu, na mouka, ba se retiré, qu'est-ce qui va se passer d'ici le 20 décembre? Au prochain quid. Est-ce que Félix Tshisekedi Lokola Tata Mokambie Kolo a coincé et Sengela Bengi Sabato avant de Sabango bas sur la peau n'a qu'on soit inclusivité et à processus électoral ou auto-ébité? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Kolanda Malobanae ou Aloba qui est l'autre à mon côté et Kope qui s'abisse au toque dans ma polomika Sinangambo? Il y a parti présidentiel UDPS, bon, bas au Talisa que Lokola porte-parole. Opposition, c'est là qui n'a moi. Et ça, non, n'a pas moyen. Et ça, peine à procéder au Kende. Ma, en ponomité. Sanction, il y a Union européenne. Oui, c'est là qui qu'on visait quelques dignitaires, il y a régime passé. C'est n'est qu'on y a, que, n'a tant, ouais, n'a pas qu'on y a lobby, qu'à lève un mouton de, ouais, c'est là qui, ancien. Comme dit, il y a ANRP, Emmanuel Ramazan et Chadar, qui représentent qui FCC, lors il y a Baponami, en 2018, Bango, Zali Bongo, Longo, na ba liste, Topé, Sanction, na Bango, et Zali Levé. Bintou Keita, Libosé, Bapandi Sango, a tel ici que le départ de la MONUSCO est déjà déclenché, mais il faut un retrait digne et pacifique. Au Katanga, 10 jeunes aux arrêts pour avoir attaqué des évêques de la Sanko à Kasumbale Sato, Silisana Sango Oyo, le CESAC met en garde le média qui font la promotion de l'homosexualité et du lesbianisme. Voilà tout pour le titre de ce jour. Après FCC Tolobiango, Martin Fayulu Alongwe, na processus électoral, est-ce que les alliés stratégie pour nakoluka ma dialogue, autopé les alliés politiques, y a chaise vide, ba conséquence tango et kozalanini, Sonango mokona lelo na bandeko bazana biso sur ces plateaux to ebi que na 2006 pe papa Etienne Tshisekedi na UDPS balongwaka baboyaka maponomi maponomi salema ki est-ce que za politique moko lelo to pe to zera que makambu est changé à quelques mois de élections parce que etikali kaka 6 mois jour pour jour toujours avancer vers les élections. Ce sont de questions tozali ko se poser mais na bosani
na kwa mtu ba ebisi biso kimia et komi deja kokota to zongira bino na ba image très prochainement na ba édition na biso ya journal ya mokolo ya lelo to lobela Congo na maître Platini Bantou et sort de la République mwana mboka Union Sacrée a koki deja ko rejoindre biso sur ces plateaux mwana mboka mbote pe boyeli bwalamu na manaka ya pona Congo ya lelo. Merci, Ndeko journaliste. Et mbote pe na ba téléspectateurs, nous sommes basés qu'on a bien sonné ton doigt na bango. Mais on a condamné que bah échange notre salaire à raison toujours qu'on a pour faire avancer mboka na biso. Ndeko tika na profiter na micro na yope na pe sa mbote na président national na ngai ya parti politique Essor pour les alliés membres Union Sacrée. Oui, comme ami bongo na président Didier Mundela. Et puis il y a encore une autre chose. Na niveau ya Mongafula, nous avons un souci qui est très sérieux, c'est la route Lutendela. Okay. La route Lutendela, les routes moko oyo Stanley à Kota Kinshasa na nzela wana. Mais depuis que batika yango basalaka kandambu de côté mama kokoti le côté souka basala yango te. Batunyo so bana Mongafula bazai ko réclamer que route wana que mokonza mboka atia mayele pour que basala route wana que bana Mongafula ba se retrouver na nzela na bango la pesa. Il faut rappeler que mbongo ebimaka na tango ya projet chino congolais mais mtible lo misala et sale mate soki ba konza mboka ba otala ngo et vous êtes très important. Vraiment c'est ça madame. Toza bongo na mona mboka le père Kubangila Union de nationalistes révolutionnaires, on peut déjà rejoindre Bichot. De quoi position, bien opposition, la bien opposition. Est-ce que vous redéposez ma candidature ou pas? Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Naomi, bonjour Madame Naomi, bonjour Madame Badou et puis Madame Naomi, jusque-là, mon parti ne s'est pas encore prononcé okay. À ce sujet. Je pense que logique de boycott, c'est-à-dire nous avons pu sauter parce qu'il y a les peuples qui nous font confiance, alors ces peuples, il faudrait que non, tombe à l'épée pour honorer les bambous. Parce que ce qui est l'autre endémie, qui est l'autre qui n'est pas pour l'amitié, c'est quoi l'alternative? Est-ce que tu as dit que tu n'es pas pour l'amitié pour toi, tu es pour l'amitié? Bien, il y aura une autre solution. En démocratie, la seule voie d'accéder au pouvoir, soit les élections ou soit une révolution populaire. Donc, hormis les élections, hormis une révolution populaire, l'on ne peut pas accéder au pouvoir. Et maintenant, ce qui s'y coule, c'est une hypothèse d'élection. Donc, nous devons nous préparer à une révolution. Ce qui n'est pas à l'ordre du jour, voilà. C'est que l'institution est légalement établie. Tout à fait. C'est pourquoi, moi, je pense qu'il y a plusieurs méthodes il y a pour contraindre les gouvernements pour preuve. Ce qui te lobby les lots, non, te déployer suffisamment les témoins et les observateurs na tous les différents centres il y a vote je pense et qu'au qui cause là une façon peut y avoir contraindre le pouvoir wana mais surtout le bito qui ne m'a pas invité moi en 2006 j'ai toujours soutenu Papa Tshisekedi j'étais à ses côtés il avait boycotté les élections en 2011 il nous a dit na outi et pas il va passer à Kibokonzi na kozo Kibokonzi mais aller aux élections il a perdu les élections. Aboyi batouke noté ba qui négocie GT. Donc, il n'y avait aucune solution. Donc, dans tout ça, je suis en train de dire ceci. Apparemment, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, la politique congolaise reste stagnante. Donc, le même méthode Yakala et Ali Kozong avec force. Est-ce que nous devons aujourd'hui proposer, formuler ce qu'est la population? Imaginez, tu l'as dit ici, ensemble à l'Obino, bango ba okina ma ponami. Je l'avais dit. Depuis, lorsque Bloc a marché Sénémaque en Lobaki, la plus grosse erreur qu'avait fait Martin Fayoulou, c'est d'accepter de marcher encore ensemble avec ses détracteurs, toutes les personnes au Balonga qui est lobby. Et l'élo maintenant. Tu vois que, c'est-à-dire, même pour le meeting il y a samedi, je pense, est perdre substance Nayango. Comment ça? Bien sûr, mais comment? Bon, dans le même groupe, Moussou Salobi, que non, il n'est pas pour les élections, et l'autre accepte les élections. Quand vous seriez face à la population, est-ce que vous avez le même discours? Très bien, nous allons revenir sur cette question. Eric, tu sois ka ndeko ya FDC, mon ami, les populations, il y a quand même mingi bande ko ya pona Congo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Naomi, bonjour à mon frère qui est à ma gauche, bonjour à mon co-débatteur de l'opposition, bonjour à la population congolaise, bonjour à
au garant des bons fonctionnements des institutions qu'est le président de la République. Bonjour à l'autorité morale de notre formation politique, le professeur président du Sénat, Modeste Bahati, sans oublier les secrétaires généraux de notre parti, Guy Richard, et tous les autres camarades, Madame Arlette Bahati, que je tiens à saluer. D'entrée de jeu, permettez-moi, il y a la moins petit problème, puisque vous savez, dans une année électorale, il faut aussi parler à la majorité de la population. Bande konanga et selemba ou bazak ou yebisangai, babisingana yebisabatu, bazak ou l'andabis ou autorité, que bazak ou nyo comme la majorité de mai. Et vraiment, ils ont vraiment un problème serré dans mai courant et également l'insécurité. Bande kope yamasina, bangope babingingai, ils vivent dans l'insécurité. Et aussi, un problème, il y a banzela. Je crois que la thématique évoquée, c'est une thématique importante. Par rapport, il y a, je dirais, boycott, il y a élection, bien que Fayou Lazak ou le batek est un boycott. Je ne sais pas, la non-participation des élections ne signifie pas qu'on boycotte. Je ne sais pas, contexte ni nazar qu'on n'y a pas justifié. La revendication, on a les autres tenir toujours. Vous savez, je n'ai pas été sur le mort ou bien ça sera juste des petites choses pour dire. C'était déjà préparé. Il a déjà préparé sa route. Nous savons que Martin Fayoul n'avait jamais été prêt à aller aux élections. Et je vais le démontrer. Depuis très longtemps, il s'est préparé à Namaramoussou. Au-delà des dialogues et tout ce que nous pouvions dire, mais il s'est préparé à Namaramoussou. Il n'était pas prêt pour aller aux élections. Et c'est pourquoi, à Mekiko, qu'on créé moi, Eloko Saliwana, mais et BBC carrière politique, il y a Batnios Bazali Pembe Nina Bango, Pembe Ninaye, je le dis très sincèrement, et BBC carrière politique. Vous savez, en 2006, quand Étienne Tshisekedi dit à boycotter qui élection, il faut le dire ainsi, il y avait un leadership déjà créé par quelqu'un, c'était Jean-Pierre Bemba. Il avait un leadership. C'est-à-dire, Bemba était, il avait incarné l'espoir de certains Congolais. Voyez-vous, par rapport, il y a l'ITNA et tout ce que nous savons. Mais aujourd'hui, quand Fayoul boycotte les élections, il est dans l'opposition. C'est quelqu'un, au moins, je peux dire, un petit peu crédible que les autres. Du fait que, à Tikalé jamais, qu'aux Alain là-bas, institution, etc., bien qu'il est député national, il avait, moi, crédibilité, mon Kéwana. Voyez-vous que, Moïse Katumbi, par exemple, Katumbi a la crédibilité, mon côté. Et les populations à Ebiye, gestion à Enakatan, on connaît tout ce qu'il fait, tout, tout. Tout est mignon sur Katumbi. Donc, moi, crédibilité à Mouké à Fayoulou, et quoi, qu'on permettre Yé à avancer un peu plus. Voyez-vous. Sogi Yé Moutou, a boy qu'aucune élection comme candidat président de la République, mais il a un parti politique. Ils ont deux ambitions politiques. Il a ces cadres qui peuvent influencer au niveau du Parlement. Qui peuvent aussi transformer certaines choses. Les gens parlent qu'il y a une seule institution, président de la République. Mais le Parlement est une, aussi de grandes institutions où les lois sont débattues, où le, on règle même le problème de la société, le vrai problème du peuple. Le Parlement peut basculer même l'institution. Ça, les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils voient que l'institution président de la République, c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est une opposition sycophante, en fait. Une opposition qui, je dirais, moins réfléchie. Donc, bon, oui, bon, t'as la présidence. Non! C'est pas le président qui fait tout. Le président a la capacité de tout faire, mais la conscience, c'est quoi, interdire. La gestion même, je suis un gouvernement, c'est pas les présidents, c'est le premier ministre qui est le patron du gouvernement. C'est lui qui fait rapport. C'est vrai que le président siège au conseil des ministres, ça, nous le connaissons, pour des orientations. Mais c'est lui qui guide la politique, n'est-ce pas, gouvernementale, c'est qui? Nous revenons, nous revenons, Madame Boka, dans une chose en matière rébellée sur cette question, surtout que vous avez dit, bande de opposition, vous avez dit, vous avez dit, bonjour et bienvenue. Oui, merci beaucoup. Je suis un plateau, maître Platini, depuis la chaîne de la chaîne de la CML13. Alors, plus rapidement. Non, c'est vrai que nous connaissons la dictature Antoine Amemi. Et puis, ils ont utilisé un jeune très intelligent parce que Bosembe, Christian, Aza très intelligent, mais tellement qu'il va politiser.
raison pour laquelle Aromi Gosala Makambo pona go se pensa ni Antoine. C'est là le bazar. Je vais venir na ebi ke bolinga ba touché été. Je viens. C'est pas la première fois. Ba 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 critiquer Christian Rosé. Nana critiquer été. Na lobi na ebi ke bolinga ba touché été. OK, c'est bon. Alors. Mais les CESAC, ils accord, ils a composé na 15 personnes. Ouais. Au bazar, ba membre plénière. Donc Christian Bosema, lui seul ne peut pas se réveiller un matin au bina ko kanga chaîne o. Je ne crois pas. Moi, je sais, nous connaissons ce qui s'est passé. Non, s'il vous plaît. Naïbi que Christian Bosembaza, moi, na maman, Bolingagaba touché, était, mais la vérité, c'est quand même ça, c'est que j'ai dit. Alors, je passe plus rapidement. Très bien. Dès qu'on a le père Koubangi, là, c'est peut-être qu'il est allé vite en besogne. Koloba, nini, non, attendez, bientôt, avoir, au moment où Moïse Katumbi va se prononcer. Kalate, au moment où Delice Sanga va se prononcer. Kalate, au moment où Matata Pogno va se prononcer. Parce que hier, on va venir. Moi, on a dans la formation pour la Makambouya élection. Dans la matière, je sais ce qui se passe. Et puis, je vais faire des révélations sur ce plateau. Alors, plus rapidement, dans autres c'est Nandeko Antoine a sauvé mboka oyo tokoya na crise institutionnelle te na koluka ko kende na forcing ya kozongisa mwana mboka Fabrice Lucindi oyo ba destituaki na assemblée nationale pona incompétence. Maintenant tomoni biso nyoso oyo Fabrice Lucindi asalaki soki kende ko Antoine. Selon les informations qu'on aurait appris à Pessi Ordre, na ministre ya justice, na kati ya conseil de ministre, a ebisa conseil d'état qui va remettre ye, en ordre. Moto yo déjà, Assemblée nationale a destitué qui y aura violation. Y article 101 ya constitution, ou elobi ke ba député nationaux, bazo représenter nation. Ce qui va continuer à violation et article 92 de la Constitution, et puis, et vous allez, na eloko ba tombakana outrage au Parlement, selon article 165 de la Constitution. C'est vrai qu'Ndeko Antoine ici a échoué. Il a vraiment échoué dans le secteur nyoso. Mais, une minute avant la mort, c'est toujours la vie. Même Nathan Mouke ou Etikali, a koki quand même que ça, l'éloko moko ya moi bien. Et là, on n'y a pas que ça là bien, qu'on respecte quand même décision d'abattre des de que le signe d'assalagi nini à quoi qui. Et puis, pour acheter s'il vous plaît. Oui, oyo babenga ka hold up électoral, et ça, là, on de quoi Antoine a organisé. Place bako kende ko ça là, ba makambu na bango, ngana le père Koubangi la tozalate. Et tellement que ngana le père Koubangi la tokozalate, c'est en ces moments où, moment où ils a propice que, bah, Congolais déjà, na, bah, politiciens, bazo décrié manque ya irrégularité, ya régularité, na kati ya seni, manque ya crédibilité, manque ya fiabilité pour na maponami, oyo ya malamu, pe ya malonga, il faut salema. Je sais comme tout le monde, batou ya union sacrée. Qui ne connaît pas, moi, je même de gens que je peux vous citer, ils sont allés consulter les gens. Basali même na ba lettre. Vous connaissez? Basali même na ba lettre. Que non, ceux qui n'abîment pas de pité, au cours la boue. Ceux qui n'abîment pas boue, au cours la boue. Mais nous connaissons. Vous comprenez? Une petite question, Yamboto, quand on a débat, vous attendez à quoi, au fait? Tant que vous encore relété, vous déposez ma candidature, tenions sur un athée. Vous êtes la nini. Ma candidature, c'est Ezani. Plan B, Ezali. Ezani. Sri Lanka. Population, à Bimana, Balaba, Landeko, Antoine, à vous démissionner. Alors que l'institution président de la République est établie Namibé Koyamboka. Madame, sous la souveraineté appartient à la population. Bachaka tembe na population te. Bakota ka défi na peuple te. Et vous avez la population. Mais la population, c'est vous. Moi, je suis la population. Bande Konyon, so baza ba population. Bino Bokanisi, oui, c'est ça, c'est ce que je dis, non? Bino Bokanisi, Rosolo, que vous avez la population. La population, c'est quoi? Yonangai, po ou tanda ko yawa, tu as payé combien? Nana fanda na kalamu, pona ya awa, je paye 4000 francs. Très bien. Pensez-vous que Ngakutu, j'ai quand même la possibilité à kofuta 4000 francs. Et bongo ba Congolais, oyo bazalaka ba jour na lié.
C'est-à-dire que ce qui a bimi na journée des alliés, bao bao ta kakingasani, po ba ya ko luka mbongo na nini na na, na zando, ba futa ka combien. Merci et, beaucoup. Excusez-moi, je chute pour dire que merci beaucoup mon Mboka, je Mboka oyo et s'effondrer. Mboka oyo, oyebi comment est-ce que l'État peut s'effondrer? Et ça au moment où il y a une minorité de personnes qui s'enrichissent et il y a la majorité de personnes au bazo. C'était différent à l'époque de Joseph Kabila. C'est très différent. Très et puis vous ne pouvez mais, même merci pas beaucoup. Vous ne pouvez même population pas comparer témoin. Vous ne pouvez population oui mais la population va réagir. Vous ne pouvez même pas comparer la gestion de Monsieur Antoine na gestion à Joseph Kabila. Très bien. Merci beaucoup Malamboka au legisitant on aurait biscuit tokota na sijé na biso ya tongo ya lelo après FCC Martin Fayulu a s'est retiré na ma ponomi à 2023 malgré qu'azolo ba que boycott ezali vocabulaire na été à Zali quand même qu'au bout qu'il n'est qu'au déposé bah candidature il y a à tous les niveaux en fait à tous les niveaux qu'au déposé bah candidature t'es maintenant gamboy à Seni bah Zali qu'au tali ça que Nyonso et Tchami notamment respect il y a calendrier électoral c'est-à-dire que le 25 Oyo donc qu'il n'est qu'au déposé bah qu'il n'est qu'au déposé bah il politique bah qu'il n'est qu'au déposé mais qu'est-ce qui va se passer dans gamboy opposition Joseph Kabila qui appelle la population na ko résister peine à combattre la dignité, c'est-à-dire quoi, tu éviter ton zone et au na mozindo, penza la bande de la biso sur place, maître Platini, bon, tout au bandana yo, qui en lecture, faites-vous, il y a décision, il y a Martin Fayulu qu'on s'est retiré na ma ponomito la procès électorale, est-ce une bonne décision ou une mauvaise décision? Merci. Tout se mettre d'accord sur une chose, c'est que gestion à Kabila, la gestion à Félix Tshisekedi de Kokanité. Voilà pour nous se mettre d'accord na yo. Mais Kokanité na nini, wa ndi pas to kabanina. Parce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi a zako démontré la suffisance de preuves que na 4 ans na ye, a sali ebelé par rapport à 4 ans na bino. Pour nous le 18 ans na 4, tous on rend na 4 ans na bino, na 4 ans na biso. Ya biso ze ebelé. Donc, mais, il y a un sujet, il y a une mission à l'éloter, mais ce sujet, une mission à l'autre, ça, il y a tout ça, il y a 4 ans, au moins, la différence, ou en a. Il y a mis balé, ndeko, au moins, ndeko, faillou, de qu'on réfléchir les lots par rapport à mon toit à s'est prononcé. Mon toit à s'est prononcé, n'a soi-disant quatre leaders, ou en a d'abord, ndeko, faillou. Donc, analyse, n'a bisso, il y a qu'un directement par rapport, n'a y'a. N'a aucun ndeko, faillou, bah, que non, bah, m'sou, bah, ouya. Mais, n'a t'en a, non, bah, y'a été, tout le bien, non, oh, ça, a pas s'est prononcé déjà. Il y a des bosses, c'est là où il faut que nous, Ndeko Fayulu, nous avons été pour la deuxième fois à la candidat unique et à opposition, comme on avait fait dans le passé. Parce que, Batouana, Bazala, qui n'a eu un an, nous avons jamais causé de soucis pour que nous, candidat à Bissot, Fayulu, et qu'on s'en a soucié. Et là où Fayulu, erreur politique, il y a président Fayulu, et Zahiko Sangana, n'a Batouana Sangana avec la Bangouane. Parce que Bazala, très malin, baza ba tout oh population à ça boaka ba tout aussi ba gera tout moi déjà ndenge ba gera mais Martin Fayulu la kenne ko sangana bango aye ko bébé sa carrière politique na ye pour rien et ce qu'a ça calcule que ba tout ndenge ba mes mains sont ba manquer liboso là ba moni ki ba bois ki sié ndé ngo là c'est prononcé. Deuxièmement les a problème ya parti ndé ko nga otu loba awa nous sommes dans un tu es président d'un parti politique. Ce qui est le président qui s'est présenté, c'est que le bateau qui a carte électeur, le bateau qui s'est préparé sur le terrain, il a été épingé, il a été épingé, il a été épingé, il a été épingé, il a été candidat, pourquoi? Il a été épingé, par exemple, le secrétaire général, il a été candidat, pourquoi? Il a été carte électeur, il a été enrôlé, il a été enrôlé dans la base. Après, il a été passé, il a été éponyoté. Il y a une politique qui a été éponyoté, il a été éponyoté, il a été président, il a été éponyoté. Parlement, tu es à la pouvoir, ma casse, qu'on est quand même chef de l'État. Parce que c'est le Parlement, n'est pas le ministre, premier ministre. C'est le Parlement, n'est à gérer, à contrôler le gouvernement, et c'est le gouvernement qui gère le pays au quotidien. Mais malheureusement, Babo, il y a un candidat, unique, il y a quatre entre guillemets, leaders, Yohana Siko a se retiré. Et puis lui, à son tour, a sacrifié parti Mobimba. On peut si raison, parmi. Comment on a raison, Anna? Transparence, exact, il y a fichier électoral, notamment. Ndeko, par rapport à la transparence, on dit que dans le pays, il y a un ministère économique de Ganzaraba élection. Intérieur. Il y a intérieur plutôt, merci. Et il y a un Ganzaraba élection. Mais aujourd'hui, dans le pays, on a l'impression que comme un système, il y a opposition, majorité, plus société civile, c'était pour éviter tout ça.
éviter ma réclamation inutile aux autres comme on a l'élo. Et il y a un système qu'on a tient en place. Système on a chaque membre opposition et la majorité bah tina bah représentant la bango na seni bah on de bazar on a surtout bazar qu'on représente bah parti politique na bango mais bah longo une des couleurs politiques bah comme maintenant pour la population pour le peuple parce que quand on te choisit tu vas là-bas tu travailles maintenant pour le peuple tu cesses d'être membre d'un parti politique c'est ce que eux aussi ils oublient par rapport à un moment alors par rapport à ce travail là. Le président de la CENI, moi j'avais suivi le président de la CENI qui avait parlé les processus n'engeni na sali pour qu'il y a comme à niveau il y a qu'au présenter pour projet de loi wana par rapport à la répartition des sièges. Comment est-ce qu'il y a des difficultés avec OIF pour na audit externe et jusqu'à ce qu'il y a comme un audit interne. Il avait tout expliqué et ils étaient là, ils ont entendu. Et au niveau du Parlement, c'était un projet de loi. Un projet de loi doit être débattu au Parlement. Et il y a eu débat, au moins 360 quelques membres ont voté pour. Maintenant, ils reprochent quoi? Les gens se permettent d'avoir l'autonomie, c'est-à-dire « peuple, c'est moi ». Qui t'a dit que « peuple, c'est toi » Les 360 députés nationaux ont voté que Loana et Lekana. Ils ont basé la population de Simana Bangote. Ils n'ont pas été élus comme vous. Et vous avez l'autonomie de la population. Donc, une population, c'est vous, ce n'est pas les autres, c'est nous. C'est ça, cette manière de voir les choses. Et puis, il faut savoir que dans ce pays, nous avons connu ça. Avec Papa Etienne Tshisekedi, il a fait cette politique-là à chaise vide. Il a fait cette politique-là à boycott. Est-ce que ça a des conséquences sur la vie politique? Et d'abord, sur la vie politique, ça a des conséquences. Pourquoi? Parce qu'ils sont minoritaires d'abord. Hein? Deuxièmement, non seulement, boycotter un peu en retard, parce que le qu'on est un peu en retard, parce que la population associée de la carte, la population est déjà prête à ce qu'il y ait pour nous. Oh, donc, bah, ça, là, on a, je vois, ceux qui m'ont se retirer, il peut se retirer. C'est son droit aussi, parce que c'est aussi un droit constitutionnel prévu. Il peut se retirer. Mais le train est déjà en marche. C'est l'avantage du pouvoir. Ce n'est pas l'avantage, c'est l'avantage du peuple. Parce que, cartesanine, Ndeko, cartesaboué, bah, l'ingi, bah, ça, là, que non, élection, ça, la maté, parce qu'ils sont pas prêts. Ils vont chercher à ce que tout coûte tout autour à terre pour négocier. Et puis chaque parti, en yana liste, naïe, bacha batunaïe. Décision libosso baso rezarani, libérer les opposants politiques, les prisonniers politiques. Bon, on a bato bate kamboka ou, oh, non, ce baso cité, on a procès. Bon, on a ce baso à libérer. Pourquoi? Parce qu'au nom de la cohésion politique. Voilà, chaque fois, tout ça, la kabon, on a tozon à kasima. Torozon à soussimate. Exemple à Sénégal, au Bazorami, Sénégal est à troisième mandat. Deuxième mandat constitutionnellement parlant, c'est autorisé. Ah, mais il y a un réseau comme ça, Batou. C'est autorisé. Deuxième mandat, Batounion, sur Bazako, Télémela. Parce que Bayébi, que deuxième mandat, Mokonza Mboka, il fera de son mieux pour que ce pays quitte là où nous sommes pour aller de l'avant. Parce que dans le premier mandat, au départ, il y avait d'abord FCC Cash. Après FCC Cash, il fallait d'abord chercher à avoir la majorité au niveau du Parlement, tout compte dans l'Union Sacrée. Après l'Union Sacrée, bah, brebis, galeux, bah, coti, mais bah, infiltré même l'Union Sacrée. Et il fallait maintenant toiletter. Donc, premier mandat, il y a mandat, il y a aussi à toilettage. Il y a qu'on change, qu'on bimisa, bah, infiltré l'Union Sacrée. On a écouté que Bolanda qui, chef d'état-major général, les raisons, bah, infiltré, bah, militaire, sans unité. L'Union Sacrée, bah, infiltré, qui armé, bah, infiltré diplomatie, bah, infiltré, passé même au sommet de l'État. Et premier mandat, c'est pour la toilettage. Deuxième mandat maintenant, ils ont des mandats où il y a vitesse. Au moment là que non, peuple, à moment là que non. Aujourd'hui, Batoubazi Misala. Non, pour peuple, s'est retrouvé face à la deuxième mandat. Non, peuple, Azo s'est retrouvé déjà. Ok. Azo s'est retrouvé déjà parce qu'aujourd'hui, on peut dire que non, les choses sont en train de voler. Bah, étudiant, bah, oui, la soute, bus, net, bah, nous, surtout, bah, transacadé, mes alliés. Aujourd'hui, bah, la primaire, bah, qu'on a foutu en sous minerval, parce qu'il y a la gratuité. Aujourd'hui, je peux citer plusieurs. Plusieurs réalisations, parce qu'au moment où on portait un bilan, nous allons le présenter. Très bien. Nous allons le présenter. Merci beaucoup, Maître Platini, de Colleper, Kubangi, Lozananga, Mbolanga. Est-ce qu'opposition est analogique qui a boycotté l'élection? Est-ce que c'est une décision sage de la part de la opposition, malgré que le parti Nayo Nano et s'est prononcé? Est-ce que en avant, topé, boy, bozang, qui a moyen de préparer ma pour nous? Merci beaucoup, Madame Naomi. Nous avons juste que non. Équilibre et Zalana. Équilibre à temps, oui, Zalana. D'accord, parce que mon frère Platini, 7 minutes. Non, non, j'ai ma montre, c'est 7 minutes. Non, non, c'est ma montre qui compte. Nous devons presque même avec vous. Il a pris 7 minutes. Merci beaucoup, madame. Voilà, quand il a su ça. Donc, madame, d'abord, je respecte beaucoup mon frère Platini. Maître Platini a une intelligence, mais une intelligence corrompue.
Comment ça? Tu as compris? À tergiverser, à coquiller réellement qu'obimisa homme sera libre soit barotté. Pourquoi? Parce que il veut juste défendre l'indéfendable. Quand l'on défend les mensonges, on tombe dans le piège yakoloba oyoko lobati. Je commence d'abord la jeunesse yalikam otokomi awa pour que non le président Martin Fayulu a se prononcé na côté de l'élection. Totali désignation ya ndeko kadima. Désignation ndeko kadima est un dingue mon a désignation ndeko malonda. Ndeko malonda to telemele ngo pourquoi? Parce que il était désigné par l'équipe Mabunda. Mais le même formule qu'avait utilisé le bureau Mabunda, c'est le même formule qu'a utilisé le bureau Mboso pour désigner Ndeko Kadima. Là, le président de la République a accepté au moins d'entériner. Pourquoi? Parce qu'il y trouvait ses intérêts dans les chefs de Kadima. Alors, les confessions religieuses, les grandes confessions même, le col à l'église catholique, l'église protestante, Yambo Kanabiso, tous unanimes, ils ont dit non. Kadima, procédure naïe, Ezaki Mala Mouté. Mais nous avons vu la majorité en place va fabriquer confession religieuse dans le de Kamba. Mais madame, mais laissez-moi avancer, s'il vous plaît. Comment ça? Nous connaissons bien. Même Joseph Kabila, que Platini peut traiter de tous les mots. S'il n'est pas en accord avec l'église catholique, au moins, parce qu'après l'église catholique, c'est l'église protestante qui donne au moins la crédibilité. Mais nous avons vu, fait ce qui est dit, qui a bypassé et l'église protestante et l'église catholique. Bon, pour ça, notre église devrait peut-être. Il est allé chez Dodo Kamba, qui est d'abord lui-même minoritaire, et aussi, nous connaissons sa tendance, mais ma petite crédit n'a qu'à dire. Tokéi, la processus, il y a enregistrement, il y a électeur, processus d'enrôlement. Cartographie, au CENI, à Pesaki. Il y a des endroits où on a travaillé comme centre. Mais tant que tu as dit banquier, ça va s'en traiter. Il y a eu des bureaux fictifs. Tout le monde dit comment est-ce que, même chez moi, dans les grands bandundus, dans le territoire, il y a Massima Nimba, le ministre Mandenga, na kati ya ndaku na ye, et ça qui na bureau d'enrôlement. On a arrêté les machines. Tout le monde dit un député de l'IDPS, na Tikapa, a sali accident. Basu ba kit électoraux, na moutou kanaye. Donc, ça veut dire déjà que non, l'enrôlement, ils allaient qui m'a monté. Tout le monde a affiché, dans l'audit, il a affiché. La CENI a écrit, dans l'OIF, à Pessi délai à 5 jours. Madame, nous avons été dans ces pays depuis 2006. Mal pour auditer le fichier électoral, ça lui a pris, je crois, 30 jours. Ngoïmou, ça lui a pris 25 jours. Et Nanga, c'est un mois. Mais comment imaginer un pays, où est-ce que le continent, vous invitez, bah, vous auditez le fichier pour passer en gros 5 jours. L'OIF a dit non, dans 5 jours, oh, ça ne va pas nous permettre d'auditer le fichier électoral. Kadima a créé le militant de l'IDPS pour auditer le fichier électoral. Parce que c'est une structure qui n'est pas connue. Bah, il va auditer pendant 5 jours. Madame, est-ce que tu peux nous dire la crédibilité de cette structure qui a audité le fichier électoral? Tu penses réellement que non, un travail bien fait peut se faire dans 5 jours? C'est inconcevable. Donc, dès le départ, il y a processus, on sent réellement que il y a déjà des germes, il y a corruption. Comment ça s'appelle? Jean-Marc Kabound, qui était le vice-président de la République, pourrais-je dire, nous a dit... Vice-président de l'Assemblée nationale ou vice-président de la République? Le vice-président de la République. Mon frère, je sais que... Donc comment ma vice-président de la République? Est-ce que tu ne sais pas que dans ces pays, il y a des gens qui décident à la place du président de la République? Vos propos vous engagent, mon amour. Merci beaucoup. Jean-Marc Kabound nous a dit clairement, il dit déjà... Dans le laboratoire, il dépasse l'Union sacrée. Parce que déjà, il devait avoir 400 députés acquis dans la cause. Il est sorti de l'Obaraso qui n'a pas été abîmé dans le monde. Il a été abîmé. Déjà, tout le monde dit que nous avons mal à monter. Surtout que, maintenant, ça c'est le fond. Maintenant, forme. La majorité est battue. Il ne faut pas crédibiliser le procès électoral.
bazali ya espace linguistique moko bandana seni na cour constitutionnelle. Pensez-vous réellement que non ces gens là bako kende à l'encontre ya mutu o ya tibango ici kawana? La réponse est non. Albert Moleka, qui est l'ancien directeur de Papa Étienne Tshisekedi, nous dit qu'il y a ma fille militant, il y a IDPS en Afrique du Sud. Il a la carte de l'IDPS. Pensez-vous un militant de l'IDPS peut proclamer un autre candidat qui fait Tshisekedi? Une minute, madame Bokashi. Maintenant, là où moi je m'inscris peut-être en faux, contre la déclaration de Premier Martin Fayoul, c'est à quel niveau? Depuis le début, on aurait dit peut-être assiéger l'Assemblée nationale pendant que désignation à Kadi Bebanaï Koussalema. Toi assiéger, toi empêcher processus Souana. Mais toi, tu quittes Nyo Souana, tu as commis les lots. À 5 jours, il y a dépôt, il y a ma candidature. Du coup, il y a des gens, comme les amis ont dit, qui se sont préparés pendant qu'il y a l'élection. Peut-être les candidats députés, députés provinciaux, les candidats conseils municipaux et consorts. Et du coup, vous demandez à ces gens-là de ne pas se présenter. C'est pourquoi moi je demande, oui, les élections, on n'y va pas. C'est quoi maintenant l'alternative? Très bien. S'il n'y a pas élection, et de, vous savez, hein, Amos 3.3 nous dit dans la Bible, je suis pasteur, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Au début, à rencontre, je l'avais dit, rencontre aux alliés sincèreté. Parce qu'il ne peut pas y avoir une conciliation sans réconciliation. Très bien. Merci beaucoup, moi. Qu'est-ce qui s'est fait que Katumbi hier quitte Fayoulou? Et qu'est-ce qui a poussé encore Katumbi aujourd'hui de s'approcher de Fayoulou? Très bien. Je pense que mon frère Eric l'a dit, je vais rester par là. Il l'a bien dit. Nous le savons bien. S'il y a encore un Congolais au niveau, en fait, qui se prétend être dans la République, on a notre yébi mot de gestionnalité. Qui a encore la crédibilité? Il s'appelle Martin Fayoulou. Et je dirais à mon ami Platini, Fayoulou, ce n'est pas le Sesanga Matata ou Sot Katumbi qui doit le désigner comme candidat. Non, c'est le peuple. Très bien. Non. Merci en 2011, beaucoup. En 2018, merci, madame. Il a payé la caution. Je ne pense pas que c'est la caution qui m'a décidé. Merci beaucoup. Je vais pas dire une chose. Non. La machine levée avait boycotté, mais finalement, il avait participé, très on l'avait voté. Merci et beaucoup. Moi, je crois, et je pense bien, ma papa, lundi, la CIDE va déposer des candidats. Oh là là, merci. Ce n'est pas 9 minutes, c'est 7 minutes, Molambo. Quand Eric, tu sois qu'à Martin Fayoulou à Tshitakilobi, nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparence et auditée par un cabinet extérieur compétent à la matière. Est-ce que c'est impossible de le faire dans le temps où il y a des bus au Koyoka, Balambo, Kanine, Basso, Bakimaramozo, Kenebiante, Koyoka, Peba, revendication à Bango, qu'on refaire à ta audit des fichiers électoraux? Et ça, les Kamamouki, est-ce que c'est impossible? D'abord, je vais démontrer ici mon ami en face qui a fait un discours, je dirais ça ici, un discours émanché par rapport à Fayoulou au Lebanon. Voilà ce qui a démontré ce que Fayoulou a boycotté, parce qu'il faut vraiment dire qu'il a boycotté les élections. Et on va essayer de démontrer le discours qu'on a émanché. Premièrement, il dit, il parle de la désignation des animateurs au niveau de la CENI. Commission électorale nationale indépendante, dont Fayoulou a dit Moïse Blaise, je crois, qui est là. L'ECID n'a jamais montré un document où il y a Bengana dit Moïse Blaise pour dire nous ne reconnaissons pas dit Moïse Blaise, il n'est pas cadre de l'ECID. Jusqu'à aujourd'hui, je mets quelqu'un quantifie, qu'on me présente un document. On ne va pas me présenter un document qui, à l'ECID, où l'ECID dit, affirme ou chasse dit Moïse Blaise comme cadre de l'ECID. Non, jusqu'à aujourd'hui. Et dit Moïse Blaise est au niveau de la CENI comme représentant de l'ECID. D'abord, il y a un discours émanché. Deuxièmement, il part au niveau des confessions religieuses. Nous savons ce qui avait été fait pour la désignation des Denis Kadima. Je crois que c'est combien? 6 ou 7 confessions, quelque chose comme ça. À moins que je me trompe. La majorité va pour nier. Minorité, l'Église catholique et je crois que c'est SEC, hein, l'Église protestante, ouais. Quelque chose comme ça. Bango Baboui. Donc, na Congo. Biso donc c'est pareil, église catholique. Pour yenda zali na makasi beaucoup l'église nyoso. Or la constitution, c'est pas ce que la constitution dit.
tout est, nous sommes d'abord une, on dit laïque, hein, c'est-à-dire que toutes les confessions religieuses sont acceptables. Catholique et les kimbanguistes étaient. Mais vous, vous dites que c'est le choix était encore un discours émanché. À Lobby, quelque chose ici. Non, monsieur Fayoulou, bon, il a évoqué certaines choses, à part Yasseni. J'aimerais dire une chose. Monsieur Martin Fayoulou, même avant la désignation et animateur niveau Yasseni, etc., tout ce que vous avez évoqué, il avait brandi une proposition, proposition de sortie des crises. N'est-ce pas? Tant à perdre l'élection, après quelques temps, pouf, déjà, proposition, il y a plein de sorties des crises. Vous avez lu cette proposition, il y a plein de sorties des crises. Et nakati ona wana zagi même avant de Nika di Maya, il y a déjà une proposition de sortie de crise. Or la proposition de sortie de crise était autrement la demande d'emploi. Oh. Mais oui, c'était demande d'emploi. Le quoi la fait que tu sais que la bengai ba tumusu baya ko rejoindre yé, ba tongo baya ki d'une manière normale ba nous voyez, voyez? Ce que y a ba ki habite ngana ko ya bon te pour sou pangai. Qu'il faut que je passe derrière les deux de la couille, il faut que na sala une proposition ba pe sangai institution mo na gérer, zagi réforme ba institution etc. wa singaki. Hein, nakati a proposition, c'est ce qu'il a demandé. Le même Fayoulou a demandé des dialogues partout où il est passé. RFI, Nalandina, RFI, France 24 et tout ce que vous savez. Il faut que les acteurs politiques se mettent autour d'une table, que nous échangeons, que nous discutons. Il y a la crise. Bon, lui prétend qu'il y a la crise des institutions, puisque mon ami l'avait parlé. Il prétend qu'il y a la crise des institutions. Aucune institution n'a une crise, ni le Parlement, ni le gouvernement. Je n'ai pas vu de crise. Mais quand il n'a pas confiance entre Denis Kadimana, Bailly, opposition, Tourlobaïs. La Constitution dit que quand il n'y a pas confiance entre un président de la CENI et le gouvernement, il faut qu'il y ait. Ça crée automatiquement une crise. Mais pourquoi il y a confiance aux Alatés? Yé, Azali, c'est un technicien. CENI, Azali, c'est un organe technique en toute indépendance. Allez-y, comprenez. Yé, moi, Fayoulou, Azan, la crise n'a pas tout. Maintenant, il veut. À imbiber toute la population. Madame, vous savez, nous connaissons comment M. Martin Fayoulou agit. Hein, il agit, nous savons sa manière de faire les choses, c'est un monsieur qui n'est pas préparé. J'ai noté une chose, c'est que on ne peut pas faire un bon travail en 5 jours. Ah, mais c'est grave, un intellectuel dire ça. Pourquoi l'attendre à Corneille, il n'a pas les marins dans 3 semaines. En 2006, nous avons eu les élections. Espérance Ali Bousso, n'est-ce pas? En 2011, tu as eu élection, n'est-ce pas? Espérance Anini, Yemi Bali. En 2018, tu as eu élection. C'est-à-dire quoi? Par rapport à l'élection, nous avons eu l'expérience. Vous en comprenez? Et Pemi Bousso, dans l'étude, c'est que nous pouvions faire mieux. C'est-à-dire, l'autre a laissé, lorsque vous venez, vous faites un travail de la continuité. Le mal dans ces pays, c'est quoi? C'est que, je l'ai vu même au niveau de la CENI, tant qu'on a un accueil, on va refaire tout à zéro. Non. Puisque vous avez des fichiers. Vous avez de l'expérience. Et ça peut vous permettre d'avancer. Et ça, le roi Moutassali, une étude, n'est-ce pas, mémoire, etc., sur une recherche de 2005, par exemple, à 2010. N'a pas eu ça la même étude, bien qu'il n'a refondé peut-être manière n'a eu au Salaki, n'est-ce pas? C'est-à-dire, les réalités que je trouverai en 2011 ou jusqu'en 2016, et quoi, ça, de réalité peut-être différente, ou peut-être des choses ont été améliorées. Vous n'allez pas me dire, puisque l'autre a fait en 30 jours, moi je suis obligé à les faire en 40 jours. Oh, impossible. Mais on est quelle sorte d'intellectuel ici sur ces plateaux? Après 3 cycles. Ça, c'est aberrant. Audit. N'y a-t-il pas eu l'audit? Oh, ben, on va dire, on a tout ce qui est impossible. Ce qui va dire, parce que confiance, c'est ça, D'abord, FCC a aucune élection. Il faut que le bailo roi en habille. FCC a aucune élection. Pepper d'un aucune élection. Raison pour laquelle Kabila a bien dit ça, il a dit qu'il n'y a pas de l'eau. Pepper d'un bout, écoutez, le FCC, il n'est pas protégé. Il sait bien que la loi sur les anciens chefs de l'État, ils ont protégé. Ils ont garanti. Donc, ce qui est l'eau, ils ont député, n'a été Kabila, au niveau du Parlement, les choses peuvent basculer. Il est mort aux en risque. Raison pour laquelle il a appelé à toutes ces personnes pour essayer de discuter. Allez aux élections. J'ai besoin d'avoir des certains des élus. Mais d'une manière un peu sage que Martin Fayoulou. Alors, on va parler de Martin Fayoulou puisqu'il s'agit de lui. J'ai dit d'entrée de jeu ici, M. Fayoulou, c'est un égoïste. C'est quelqu'un, excusez-moi, ça peut choquer, c'est quelqu'un qui ne regarde que ses propres intérêts. 1 minute, société, mon amour. Mais Bazouaki, peut-être pas plus. Bazouaki, 7 minutes. Alors, d'intérêt, Naïmoukou, pourquoi? Comment vous vous refusez à aller aux élections, vous, candidat de président de la République? Vous avez interdit,
Les idées, je crois qu'Albaraza, il est natif à Bandundu, je crois. Je crois que j'estime, prétends qu'au niveau à Bandundu, Baza quand même est implanté, je crois, peut-être. Mais au gros, il y a quelques députés. Puisque le parti peut vivre là-bas cotisation, et bien, gros. Les partis doivent être organisés. Cotisation, contribution, etc. Comment les partis seront organisés? Comment les partis seront implantés? Puisque le parti faudra continuer, qu'on continue l'implantation, on a eu un peu partout. Donc, vous avez, arrêtez les ambitions des autres. Maman Marie, ou le bagi gazo prétend dans la, na parlement, na bureau. Maman Marie, ou arrêtez ambitionner. Donc vous arrêtez, bah, Prince Ping, vous arrêtez. Bon, Prince Ping, dans la partie politique, naïe. Bien qu'il est trop attaché à son communicateur Martin Fayoulou, je ne sais pas si lui va poser sa candidature et voilà. Donc, moi, je crois que M. Martin Fayoulou, s'il pouvait se dire, je crois que mon ami a dit une chose très pertinente ici, stratégie naïe, zala qui juste, comme il sait que, bah, qu'on désignait était. Mais il a joué un mauvais calcul. Pourquoi? Et d'ailleurs, je vous informe ici, entre Fayoulou, à un moment où il Moïse Katumbi et Zako Belate. Ah bon? Oui, pourquoi? Puisque Fayoulou voulait, schéma ya boycott ou ya zui, bato nyon so balandie, les Katumbi et les autres, ba boycotté. Or, Katumbi, après que Fayoulou a tweeté, Olivier Kamita de tweet pour dire, vous avez suivi Olivier Kamita pour dire, Bisso de Rokende. Ça veut dire, ils ont eu déjà des confusions entre eux. Ce qui va au Barokine, c'est que Fayoulou a encore soutenir Bangote. C'est-à-dire, automatiquement, Fayoulou s'est exclu parmi les quatre leaders. Voyez-vous, il s'est automatiquement c'est-à-dire exclu. C'est-à-dire que Bloc, il y a Lubumbashi comme fragile. Mais ça, ça a été déjà démontré. Et plus pour y chiter, madame, la décision de Fayoulou a joué en gros sans consulter ses collaborateurs, ses proches. Ils ont été surpris. L'Anda et les Mawalantalam et l'Ungia Clément Mouza. Ouazaï, candidat député, Natchang à l'époque, à sa peine à SID. Tant que Fayoulou, lui-même a été étonné. Tous ses collaborateurs étaient étonnés. Non, mais donc, selon les informations, Bazalaki, on a depuis tant qu'on en reçoit. Non, s'il vous plaît, Bazalaki, non, je suis informé. Nous, nous sommes arrivés là à 12h, Bazalaki en réunion. Bazalaki est informé pour un point de presse. Oui. Mais il ne savait pas les tenants et les aboutissants de ce qui sortirait de la conférence Ouana. Il savait que, Fayoulou, avant tout, Aloba, Bangounos, Bayer a déjà bien avant, Bayer, pour préparer le président, entre guillemets. Mais les tenants, les aboutissants, ils ont été surpris de la déclaration de M. Martin Fayoulou. Donc, ça prouve à suffisance qu'après avoir demandé le travail à Félix Tshisekedi, n'ayant pas obtenu ce travail, M. Martin Fayoulou s'est dit, comme je n'ai pas assez de moyens, alors je vais bloquer les autres aussi à ne pas partir. Merci beaucoup, Ndeko. Eric, tu sois Kawana Makanisnayo, mon amboka, Fleury Béan, Ndeko Yakabila Forever, après FCC, tout et Martin Fayoulou, Longwana, processus électoral. Vous pensez qu'il faut Ngambonion sur opposition, carrément, Eboya, élection. Et qu'est-ce qui va se passer d'ici le 20 décembre prochain, selon vous, comment se présente 2023? Merci beaucoup, madame. Non, je suis là. Je suis là, mais non, alors, na comment on a connu Eric, c'est ça non? Tu sois ok, merci. Ceux qui n'ont massacré, combo esquizengai. Il voulait dire quelque chose de bien en le voyant. Hein? Il avait des ambitions de bien parler, mais tellement que il est venu défendre l'indéfendable, a tombé dans le piège. Il y a bateau bazar. Bazo soutenir malédiction en Mboka na biso. C'est comme ça qu'il est tombé. Nazo bandana et avant encore mon maître Platini, alobi Martin Fayoulou azalaka égoïste atalaka kaka ba intérêt naye. Na accordé en haut, mais akende ko tout na baati pourquoi est-ce qu'il y a claqué qui porte na FCC? Ezalaka pour na ba intérêt anani. Eza parce que Bata lingaki bachaye premier ministre, soit aza la président ya Sénat. Tellement que bacha qui était, ba monique non papa, tu as travaillé avec Mobutu, tu as travaillé avec Mouzé, ou travaillé na Joseph Kabila, Félix aye, ou limika kon apparaître, zonga moi sima a claque à porte. Ça veut dire, Mouto aza autorité morale ya ba égoïste. Na moto ya tala kaba intérêt na ye moko ezaka kabati. Je ne pense même pas que sur une table so gazolia okuti ya robengo polia nae. Je ne pense pas. Sérieux? Deuxième cas. Ayo loba awa keno kadima aza technicien. Mais votre Chris Bukendi
azalaki en face ya base na ye. Ba base ya Christ Mukendi ba yaki na ba carte d'électeur ou eso c'est effacé. Qui est ce technicien qui est yole qui na plateau awa? Olo ba technicien sali moussala. Après un moment, ba carte d'électeur eso salanini, eso se supprimé. Yoka sikoyo, place oyo ke non, Martin Fayoul Ouazan a raison. Yoka, balobi, oeza, nene journal, hein, y'a presse écrite, bako mimi. La CENI promet des duplicata en remplacement des cartes d'électeur devenues illisibles. Et ça l'a mis, lobby, na, nene, babenga kenani. Nagoma, j'ai appris la nouvelle, mais ce n'est pas encore confirmé par la CENI. Attendez, s'il vous plaît, Nagoma, yebi. T'as la carte d'électeur n'angaï depuis 2018. Pour comparer à mon carte d'électeur au Bazui, pour comparer carte d'électeur yananga botala yango. Comment est-ce que Bino Bogo le kana plateau mutoazala qui observateur? Yamakambuyani ni ya ba élection. Au commissaire technicien, technicien azana technicité nini. To utaki kolanda na top Congo awa. Membre moko ya CENI. Alobi ki y a pas de moyens, il y a pas l'argent. Na top Congo, je donne des éléments. Moi je ne vais pas, je ne viens pas ici sur le plateau. Na loba onini boy na tanga na pesa même ka di manenga zawana. Ayebi ke ndeko nanga chi so kamaka munyo so alobi sirie za bokuta. Na moko zo fanda obi mais comment est-ce que un jeune garçon peut dire que je suis technicien pourtant je ne le suis pas. Ou les éléments moussousou, vous allez organiser des élections avec quels moyens? Session ordinaire et outil que les kawa, oui plénière, bazo salaka ba accord de crédit, oui plénière, accord de crédit, mboso aza vivant, bokende gotou nae, vous avez des députés nationaux, botou na bango, panda oui plénière, ou basali oui plénière ba accord de crédit. Mboka na biso ekomi ko vivre na ba fond à contrepartie. Mais depuis quand opposition ezo lo ba ke mbongo ezate moto ke na pono mais ezate normalement raite mamba ya seni mutalobi yango na top Congo. Ce n'est pas moi. Voilà, ça a une responsabilité wana te. Biso te pression na gouvernement pe sa. Non, zela na biso eloko boko. Biso to tcha pression na gouvernement nenge nini. Ba eli biso budget ya eloko a pema. Bah souffler 16 milliards de dollars. Maintenant, 16 milliards de dollars. Bousa la makambo nenge sengeli. Ça, ce sont deux éléments. Mon frère, le père Koubangi, la lakissier technicité. Ya makambo maponami. Apesio koutou ma élément nenge mnine organisation et élection et zalaka. Yali boso 1. Pour organiser les élections, il est question de la crédibilité. Maponami, il faut zala apaiser. Il faut être à la transparente. Il faut être à la fiable. Et aussi, il y a autant de combo à dite Moni Blaise. Il y a SID. Est-ce que tu as lu la loi sur les élections? La qui s'en a PVO, Martin Fayoul, a comme la qui membre, il y a SID. Pour Akende, pour représenter SID dans Katia Seni. Une minute. Hein? Ou le qui comme un kamikaze ou ega ko explose awa. Ayego lobe, excusez-moi, eza forcing na débauchage. Ou ezo caractérisé gestion Yandeko Antoine. Qui ne le sait pas? Ayego lobe la makambu ya fichier électoral. Je ne peux pas douter na niveau intellectuel na yote. Na ko douter en yote.
Mais il y a un peu de temps. Ils ont un auditeur qui a pris le temps. Il y a un peu de temps. Ce n'est pas la personne qui a pris le temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps dans 5 jours. Il y a un peu de temps. Notre pays est un pays continent. Tous en a 145 territoires. Tout chata 142 parce que 3 territoires, ils en a maboko ya. Ya nini, ya M23. Tous en a 200 villes rurales parce que chaque territoire est représenté à la circonscription moko. Et nous, so en a 26 provinces. Olingi misala, nous, so en a sale mana 5 jours. Et aussi, baye bisi biso awa na kwa muntu bazolinga babanda kwa enrôler batu, n'est-ce pas? Et batu wana bakocha bango na fiche nini. Et me pona chite si ko place on azo chitele. Ma pona mi. Nani ako sécurisé yango. Eza M23. Eza EAC. To eza nani ako sécurisé ma pona. C'est aussi une question. Ma pona mi oyo. Nani ako sécurisé yango. Les élections qu'a organisé Joseph Kabila et aboutissa ki na alternance. Mende ko Antoine ma pona mi o ya zo li nga organize e zo aboutir na très bien, merci beaucoup. Bon, chite, excusez, na zo chite le wana. Na zo minute mouke. Na mouke na zo lo ba bien. Zela, ba na mounga fula. Peple ba o se mouke la platini ye yo. Zela, excusez, 30 secondes. 30 secondes, c'est parce qu'il s'agit, il a cité Joseph Kabila. On l'a 30 secondes, le pessi. A lobi ke non, yé nè nga za wana, a za la ki na kati, a ki na kati, R. Joseph Kabila zo lo ba. Moi, j'étais là. Si tout n'a yé à côté la qui wapi. Que non, Joseph Kabila, vous devez me protéger. Est-ce que ça va individu de va protéger à Kamoutou ou bien ça va loin de protéger à Kamoutou? Au Télémi Pembe, il y a maître avocat, Azo Sungayote. Maître Platini, Tika Mouté Mamabe, Yaza Pembe, Nina, Osoga Betie Lou Mamabe, bougez à Tana Loboko. Merci beaucoup. Merci. Comment est-ce que vous tika yé, Aza Pembe, Nia Jiris, Yaza, Aza Chevronne, Nama Gambouyane, Nia Doua. Mais comment est-ce que vous tika Moutou, Atombe, Aboyane, et à la fin, il va dire que non, il existe. Merci beaucoup, Mamboko. Je suis tombé bien, on l'a 30 minutes, Tozo Bandela. 30 minutes. Plutôt 30 secondes. Non, 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 30 secondes. Na malobano ya souka parce que je suis rebelle. Tous un deuxième tour de table sur la question de l'état de siège. Bandeko, il y a Ituri, selon ma information, ba village, monsieur Sezos a déjà récupéré préparation et table ronde. Mokondenge, chef de l'État, à Sengaki, à Lobaki, que Bakosa, la table ronde pour Nakosa, l'évaluation et l'état de siège. 2 ans après, qu'est-ce qu'il y a comme résultat, Tokubanda, na ndeko, maître Platini au hasard dans le Bokolanga et à Mobali, la question de l'état des sièges, y a-t-il de résultats? Faudrait-il avancer tôt qu'on stoppe encore carrément parce que société civile, selon ma information, Bazali vraiment satisfait et Namoussa les Ali Kosa et Makouna. Merci. Avant que nous abordions la question au Tuninga sur l'état des sièges. D'abord, il faut que nous sommes dans un pays laïque. Nous avons rencontré une de nous sommes dans un pays laïque. Il n'y a pas une religion ou encore une confession qui est supérieure aux autres. Il n'y en a pas. Nous sommes dans un pays laïque, c'est constitutionnellement parlant. Donc aujourd'hui, la majorité, ce sont des jeux démocratiques. Parce que la démocratie, c'est la majorité qui gère par rapport au vote. Donc par rapport au vote, et c'est Kadimanem Tabimaki, acceptez ça comme ça. C'est vrai, la minorité, vous n'êtes pas d'accord, c'est pas un problème. On est déjà habitué avec la Senko, parce que l'Église catholique a toujours été nagée à contre-courant. Ce n'est pas aujourd'hui. L'Église catholique a wangana même abbé. On a dit que l'Église catholique a wangana abbé naïe, non? Voilà. Donc ce n'est pas à nous de revenir sur ça. Ndeko, yajikaka, aoyebi, histoire amkeno, l'Église catholique a wangana abbé naïe. Aoyebi, aoyebi, ça. Deuxièmement, par rapport au timing, vous savez que la CENI a un timing bien déterminé, un calendrier qu'il avait déjà présenté. Vous savez que l'OIF est dirigé par Mushikiwabo, qui est un Rwandais, rwandaise de nationalité. Pour ce qui est de l'Anda, qui est un peu plus grand, c'est l'Anda qui est Kadima. A comment l'OIF est 2 mois pour répondre. Lorsque OIF, non, je vous dis ce que j'ai entendu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est passé sur Top Congo FM, c'est à vérifier.
Il est passé sur Top Congo FM, je te dis, l'un de ma source, allez-y vérifier. Il a écrit à OIF à répondre après deux mois. Après, Zélan assiste, j'ai donné la source après deux mois. Lorsqu'il a répondu, par rapport à timing, la CENI lui a dit que non, vous allez travailler dans cinq jours. Parce qu'il y avait déjà une base, c'est la troisième, donc il y a un quatrième cycle électoral, tu as déjà la base, déjà, tu n'as plus beaucoup, besoin d'avoir beaucoup de temps pour faire un travail. Parce que la base, c'est ça déjà. Et c'est qu'on travaille sur un sujet que l'autre a déjà fait. Tu prends, tu lui cites, et puis tu avances. C'est comme ça qu'on fait. Mais, vous entrez seulement dans... Moi, je crois que l'histoire de remettre en cause la CENI, c'est un faux fuyant. Les raisons sont ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est démontré à substance de preuve que non, Martin Fayulu n'est pas en mesure de supporter seul ces élections. Parce qu'à l'époque, en 2018, il était supporté par les autres. Et cette fois-ci, il avait cru qu'il serait encore supporté, alors que on ne peut pas te prendre deux fois de suite quand même. Tu n'es pas le seul dans le monde ici. Nous aussi, nous devons passer. Et voilà la raison pour laquelle elle s'est retirée. Et là, elle s'est retirée à Bali maintenant pour nuire la vie à Missus. Je crois qu'on devait pinguer à rater Parlement. Donc, troisièmement, c'est que lorsque tu dis que non, Kalouba a accordé en tant que président Yakou Konchonen et partageant le même tribut que le chef, mais il a quand même pris la décision de déclarer Yakou Konchonen incompétent pour juger le sénateur Martin Tapone. Tu sais au moins que non, il n'était pas. Tu sais au moins que non, il n'était pas, c'était pas correct, c'était pas vrai. Mais il est quand même allé en contre-courant. Pour te dire que non, le tribalisme, ce que tu es en train de prôner, ce n'est pas une bonne chose. Ah, moi, je prends vous faites toujours allusion à cela. Et troisièmement, quatrièmement, par rapport aux cartes électeurs, il y a une différence entre la technique dont il y a Kadima, la technique, il y a réparateur, il y a engin. Quand on parle de la technicité du Kadima, c'est par quelqu'un qui a maîtrisé l'organisation des élections. Ce n'est pas un technicien par rapport à vérification et à réparation. Normalement, n'en fait pas partie. S'il vous plaît. Attendez, j'adore la matière, papa. Écrivez. Lorsqu'on dit que non, il est technicien, c'est parce qu'il a maîtrisé l'organisation des élections après avoir participé dans plusieurs organisations. OK? Maintenant, la question à la carte électeur. Carte d'identité. C'est ça la différence avec nous et vous. Avec la CENI actuelle, on va passer une différence entre carte électeur et carte d'identité. Outil à carte d'identité, tout le monde avait vu ça. Et ce qu'on est en train d'utiliser, c'est la carte électeur. C'est-à-dire qu'après les élections, c'est jetable. Donc, on ne pouvait pas dépenser au-delà. Parce que plus les cartes d'identité qu'on avait, on était en train d'utiliser avec tout le monde, y compris les infiltrés. Mais aujourd'hui, on a fait la différence. On a écrit carte d'identité. Mais c'est le contraire avec le vôtre. Il y a le bimbo. C'est vraiment, j'insiste pour dire. Les cartes électeur à la fois carte d'identité, parce qu'on n'en avait pas depuis 2006 jusqu'au jour où on aura la carte d'identité sous votre gouvernement. Et aujourd'hui, avec les 4 ans de chef de l'État, à saler les sols, qu'on n'a pas de faire la différence. Carte d'identité et carte électeur. Voilà pourquoi la carte électeur, on pouvait faire des dépenses exagérées pour avoir une carte jetable ou utilisable une fois. OK? Voilà. Donc, maintenant, et puis il faut savoir la crédibilité, la transparence, ce n'est pas au parti politique d'apprécier, c'est à la population. C'est comme si vous prenez des mots, crédibilité, des élections, transparence des élections. C'est non, ce n'est pas à un parti, par exemple, Fayulu ou JKK de le faire, mais c'est plutôt au peuple de voir ce qui est en train de se passer pour déterminer la crédibilité et la transparence. Et maintenant, l'état des sièges, dans la vie, il faut savoir faire ce qu'on appelle la rétrospection. C'est-à-dire analyser les décisions prises antérieurement, voir ce qui s'est donné et comment évoluer. Donc aujourd'hui, ce qui va se passer à table ronde sur l'état des sièges, c'est parce qu'on veut faire ce que je viens de dire ici, la rétrospection, pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est aussi dans la vie individuelle, on peut le faire, comme aussi au sommet de l'État, nous pouvons également le faire. Par résultat, état des sièges, nous avons vu le résultat palpable escompté. Et aujourd'hui,
Si nous savons, nous avons pu réunir ensemble, belligérants, nous surtout au niveau de l'Est du pays, parce que le chef ministre y a défense, il avait fait le déplacement, auto réunir, nous surtout, belligérants, nous surtout, sauf l'incalcitrant M23. Mais tout le monde est aux autres autour d'une table. Pour, c'est ça aussi le résultat, il y a état de siège. Donc, merci beaucoup, Ndeko. Ndeko, le père Koubangi, l'état des sièges, va résulter dans une table ronde. Est-ce que les amis sont opportuns évoluer pour nous voir qu'il faut continuer Topé Kokata Yango depuis Tobanda, qu'on prorogeait depuis Tokota Yango, les lots, selon les solutions que vous avez prorogées encore et encore ou bien arrêter carrément pour résulter au moral. Madame Naomi, mon cher Platini, dans ces plateaux, est-ce qu'il garde toujours casquette né avocat? Bien, à Tikinano, qui est avocat na porte, à Wakotinan, le cola, citoyen, n'y en sokaka. Vous êtes là, Moukieto, libéré maître Patini. Non, falara, ça la wana ayoka. T'es tika ayoka. T'es, ça va 30 secondes, t'es ayoka. T'es, il peut supporter pour 30 secondes. Pour 30 secondes, ayoka. Il me dit comme la souka. Pas pour la population, pas pour moi. Non, il faut recadrer. C'est ce que tu as dit, c'est comme ça. Qui est la wana, madame? Maître Platini, je vous libère. Merci beaucoup. Il a fou. Donc, mon frère Platini parle ici que le collègue est allé dirigé par Louise Mouchiwabako. Il y a un homme à répondre qui n'a retard, mais il oublie. J'ai la francophonie. Et ça, à moi de JN, non? Qui est le secrétaire général? On a changé? Comment mon frère peut donner des raisons qui n'étaient même pas debout? Non, en fait, nous avons ensuite mettre platinité. Et de deux, à l'objet à la juriste, qui est la débit législative, tu sais, dans la majorité, mais tu as sali à Zuyango, je ne sais pas, par quel mécanisme. Oh, donc, tu sais qu'il a violé la constitution pour avoir la majorité et l'avocat l'encourage. J'ai entendu mon frère parler de l'égoïsme. Est-ce qu'il doit être sincère? Son président, son mentor, était questeur en 2009 de l'Assemblée nationale. Par quelle magie, comment, parce qu'il était de la société civile? Bati Lukubo était questeur de l'Assemblée nationale. Par quelle magie? À combien de place? Vous savez, mon cher, je t'apprécie beaucoup, mais aujourd'hui, je ne te reconnais plus. Et quand tu dis qu'un bon travail, ils ont relevé la direté, mais ça, c'est grave, mon frère. Ça, c'est grave. Donc même Yemo Koseni, quand on parle de timing, on fait allusion à quoi? Lorsque Séni a proposé le calendrier, pourquoi a fait qu'il y a timing? Mais c'est parce qu'il y a que moi, on a délai, on a reçu la boue, on a reçu la boue. Mais mon frère, ça ne peut pas sortir de toi. En fait, bon, le problème c'est que dans notre pays, lorsqu'on défend les mensonges, on tombe dans de tels pièges. C'est pourquoi je parle d'une intelligence corrompue. Madame Naomi, ok, on parle de laïcité de notre pays. C'est-à-dire, demain aussi, on peut voir Rose-Croix, pas parce que c'est Ronseni. Mais Rose-Croix, Maïkari, tout. Bah, ça, c'est pas religion, non? Mais on parle d'un pays laïque, n'est-ce pas? Quand on parle de laïcité, mais pourquoi on va s'attirer? Sur le plan de la représentativité, est-ce qu'il peut me dire une confession qui est mieux représentée que l'Église catholique? Que l'Église protestante? Non, mais pourquoi papa à son temps il disait il était le fils de l'opposition? Pourquoi les débats se parlent des 37 ans de l'opposition? Donc la durée, ou soit la représentativité que prend l'IDPS, le peut te remettre en cause. Mais on va remettre en cause il y a l'Église catholique. Non. Et ce qui est grave, il n'a nullement qu'on parlait sur des nations à Kadima Nenga Kobakiwana. Fleury l'a demandé. Soit encore qu'on l'a que ça PV. Parce que pour que tu sois désigné par ta famille politique, il doit y avoir un PV. Même Yamanara, même Yablaise, est-ce qu'il y a un Sabiso? Que nous voilà, nous, avec consentement, le PPRD a désigné Manara, le CD a désiré monsieur. Comment il s'appelle encore? Blaise. Comment est-ce qu'on a dernier? C'est ça ma question. Ok, mais c'est la même question que tu dois demander à mon frère Etiswaka. Comment est-ce que tu sais qu'il dit à combien la majorité parlementaire? Ouais. C'est la même question. Je viens à l'état des sièges. Madame Naomi, vous savez, la malchance qu'a eu le Congo pendant ces 5 ans,
c'est d'avoir fait ce qu'on prend la République. L'état de siège depuis le début, Tolobati qui est noté, est un fiasco. L'on ne pouvait pas. Félix a fait l'état de siège pour satisfaire les anciens militaires, il y a MLC, Bakouba le gouverneur, Bakouba Soulambongo. Mais sur terrain, rien. Mais madame, est-ce que vous pouvez nous faire le bilan non, avant l'état de siège et après l'état de siège, les résultats et le bilan. Parce que le groupe armé Nyonso qui régnait la nuit, si je le basali, et fait de sa bouche, qu'est-ce qu'il a dit? L'état de siège avec une volonté n'a été. Mais c'était la population devant la communauté iturienne. Lui-même a dit, il a reconnu. Que... Mais s'il faut évaluer, non. Non, 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 non. L'évaluation, c'est que la tête n'est pas organisée comme on peut évaluer. Mais la personne la mieux informée de la République, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très bien. Il a toutes les informations possibles, tout ce qui se passe sur terrain. Alors, aujourd'hui, pendant qu'on aura état de siège, on n'a pas besoin d'une évaluation au Vendisi Bato pour saigner encore la caisse de l'État. Non! Et dis-moi, après cette évaluation, ce qui est non, à moins qu'il y ait un résistant dans le monde, parce d'abord, résistant dans le monde, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que l'on peut encore aller aux élections dans la région où il y a un état de siège? Merci beaucoup, moi, Ramboka, Ndeko Floribé, et à préparation à table ronde sur l'évaluation de l'état de siège. Au Bino Botika, au Salaté, c'est pas mon tour. Le 18 ans, je vous reviens, moi, Ramboka. Comment est-ce que vous avez le résultat de l'état de siège 2 ans après? Est-ce qu'il faut arrêter ou continuer? Est-ce que le résultat n'est pas palpable? Non, ok. Mbango, madame. Puisqu'il est de l'Union sacrée, maître Platini, en tant qu'un avocat, il ne jamais que carte d'électeur et sa carte d'identité. Article 211 de la Constitution. Il est institué une commission électorale nationale indépendante dotée de la personnalité juridique. La commission électorale nationale indépendante est chargée de l'organisation du processus électoral, notamment de l'enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, des dépouillements et de tout référendum. Elle assure la régularité des processus électoral et référendaire. Yebisanga place nini oyo balobi ya ko identifier pe ko pesa ba carte d'identité pa ba. Comment est-ce que mouto ko fanda ga boy 7 ans à université mais ce gars leki a ko sanana matière o atangre la. Il est intelligence corrompue. Ça c'est quoi? C'est quoi? Yango mbuka na biso ba loki yango to nini? Mouto fandi 7 ans à université maleki et pas zoloba. Est-ce que makambo o etali identification de personnes? Est-ce que c'est ni mouto sala rango? Non. Et ça ONIP branche ya ministère intérieur. Donc maître Platini en wa kimimbangu. Deuxième cas. Erbezoya wa tozolobe la makambo ya nini ya état de siège. Madame Ndeko Antoine a fait siyama. Non. Nasunga, manque ya connaissance ya régime oyo. Hein? Et boya ki ko respecte ba règle normale ya ko décrété état de siège. Article 85, na dernier alinéa nango, ba lobi boye pour makambu ya état de siège, c'est un article 85, na dernier alinéa ba lobi nin. Les modalités d'application de l'état de siège et de l'état d'urgence et de l'état de siège sont déterminés par la loi. C'est-à-dire quoi? Ndeko Antoine a informé qui, à l'époque, Janine Mabunda, Nantamwe Mwamba, que non, Nalingina a décrété état de siège. Qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu qu'il va organiser congrès. Babengisa tous les deux chambres, chambre haute na chambre basse, bafandi basali ba modalité d'application loi moko boye et accompagner état de siège. Mais Ndeko Antoine a yaki ko violé principe wana et a violé yango tambwe mwambalobi non tozo benga présidente poto de choirier tozo benga e poto cha ba loi oye ko accompagner état de siège. Ndeko Antoine a surtout qui na ponga bie Kabundo zapi awa kiti na ngeni ngani kiti na ngeni ngani Kabunda embanga zela magambo bien ngoyo zela pardon nazo chitere na pardon yo lingite to lobela magambo la vérité pour nani c'est bon alors
Kabunda yambangu ba pesa elar kende top Congo ake top Congo lobi ke non 7 millions de dollars mabunde nan tambwe mwamba bazana posa bali yango. Mais le lo écoutez biso cher. Écoutez biso cher parce que on ne sait pas évaluer l'état de siège. Bako banda wapi, bako souka wapi. Et ce qui est le principe même, il y a état de siège, j'ai biaisé, bako wana bako zala frappé na loi nini. Et comme il n'y a pas une loi où on frappe bango, c'est-à-dire que makambouana bazo sala, c'est un spectacle moko désolant. On est quoi Antoine Yemoko alingaki ke toko maboye o moni ta sokanango o moni tukanango te ne quoi Antoine wangana ki état de siège ndeko Eric tu sois ka to si sanayo préparation à table ronde sur l'évaluation de l'état de siège au résultat rapidement vous avez même temps d'antenne pour te clôturer nayo rapidement. D'abord je vais corriger une chose, j'ai dit ici, j'affirme que Martin Fulton est un égoïste, j'aurais entendu ici si comme Bahati. Vous avez laissé les temps de parler, l'élégance. Ouais, il est comme Bahati. Alors, Alobi, Bahati Baza, égoïste. Il aurait travaillé avec M. Laurent Désiré Kabila, il aurait travaillé avec Mobutu. D'abord, je tiens à vous informer. Avant de venir sur un plateau, parler de quelqu'un, il faut savoir son parcours. Modeste Bahati n'a jamais travaillé avec M. Laurent Désiré Kabila. Chose déplorable qu'un communicateur intellectuel dise sur ce plateau. Jamais. Il était dans la société civile. Et il fut même arrêté par M. Laurent Désiré Kabila. Ça, c'est la correction. Égoïste. Alubina Sena, Bahati Balongola, Kalinga Zala président, mais il ne s'était pas bâti que pour sa personne. Tous ceux qui sont avec Modeste et Bahati vous diront ce qu'ils sont. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires ici. Alors que M. Fayoulou, Toebi, qui ne travaille que pour lui, ceux qui sont avec lui, qu'est-ce qu'ils ont? D'ailleurs, Mouzitou traite mieux ses communicateurs et ses collaborateurs que Martin Fay. Tous nous les connaissons, nous côtoyons ces personnes-là. Alors, je vais revenir à Laurent Mouswabi. Chris Mukendi, bon, il a parlé de lui, il a présenté une carte d'électeur. Je ne suis pas Chris Mukendi, moi c'est Eric Ishwaka. Chris Mukendi est cadre comme moi, communicateur comme moi, donc je ne veux pas parler de Chris Mukendi ici. Mais je vais parler de la carte d'électeur. Mais c'est un peu déplorable, madame Naomi. Alobi, Platina Bouzirokinda a présenté une carte d'électeur comme carte d'identité. Mais je vais dire à mon ami du PPRD qui porte le visage de M. Kabila, 18 ans de gestion, incapable de doter aux Congolais une pièce d'identité. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous ai laissé de parler. Je vous ai laissé de parler. Je vous ai laissé. C'est quand même grave. Je vous ai laissé les temps de parler. Je vous ai laissé. L'élégance. Et c'est qu'on attend par l'éthique et la déontologie communicationnelle, mon cher frère. Je vous ai laissé les temps de parler. Tout ce que vous parliez n'était pas la vérité. Je dis 18 ans. Kabila, garant des bons fonctionnements des institutions. Le visionnaire. N'est-ce pas? Le chef de l'État est visionnaire. Garant des bons fonctionnements des institutions. C'est lui qui instruit. Lors, il siège même la conseil du Conseil des ministres. Voyez-vous? Il siège pour des orientations. Donc, si la volonté était engagée par le garant des bons fonctionnements des institutions, ça veut dire que les autres qui sont au sein du gouvernement, les autres devraient appliquer cette vision-là. Kabila avait 18 ans, même pas une pièce d'identité. Et le Congolais utilisait la carte de lecteur Ouazalangouana comme une pièce d'identité. Au lingo voyager, il faut présenter carte de lecteur. Au lingo que nous avons la banque, présenter carte de lecteur. Yaza Kolubawa. Non, la carte était fabriquée, était une bonne carte et tout, etc. Denis Kadima n'a pas fabriqué cette carte pour que ce soit une carte d'identité pour les Congolais. Non. Il a fait fabriquer la carte d'électeur juste après les élections. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Lorsque vous parlez de la qualité, pour la bino, la qualité, c'est les photos. Mais on pourrait. Non, mais pour elle, mais nous disons ceci. Nous prenons ces cartes d'électeur comme usage unique. Après les élections, à Boupia, au Rokenelang, même pas à la banque, sur le président, on aura le sous-souté. Raison pour laquelle vous avez vu les missiles et salam entre ONIP, Nasseni, pour que l'on octroie aux Congolais une carte d'identité. Ça, il faut applaudir. Non, mais ils ont eu le temps de parler, parce que moi, il ne faut pas me demander de citer maintenant. Il ne faut pas me dire de citer maintenant. Alors, ils ont parlé beaucoup de choses. Alobi, ah ouais, le rumeur Alobi. Non, je suis en train de répondre à la question. Alobi PV, que nous présentons, que Martin Fayoulou présente les PV qu'il aurait envoyé. Nous savons comment les choses se font. Mais je vais dire une chose ici. Si dites Moniz Blaise ou Martin Fayoulou n'a pas présenté, présenté un PV qui démontre la suffisance que dites Moniz est de son parti politique ou qu'il aurait délégué là-bas, qu'il nous brandisse un document
que lui, Martin Fayoum, a exclu du Timonis Blaise de l'ECID. C'est ça la logique. C'est-à-dire, lorsque vous avez exclu votre représentant, là, vous dites, n'ayez bien été, Azaï Souna Parti n'a été pour violation des principes. Mais jusque, j'ai dit, non, laissez, vous savez parler. S'il vous plaît. Il n'a pas fait cela. Donc, ça démontre à suffisance qu'il affirme et qu'il confirme que, n'est-ce pas, dit tout et de son parti politique. Mais, mon ami, nous sommes quand même intellectuels, s'il vous plaît. Mais, quand vous dites que le travail, l'audit, on ne peut pas réduire les temps, un travail scientifique, pour vous, ça doit seulement se faire, Nabatan et Bélé. Mais je suis sidéré, mon cher frère. Qu'est-ce qu'on entend par l'expertise ou l'expérience? Je vous pose la question. Non, qu'est-ce qu'on entend par l'expertise ou l'expérience? Je parle en guise de ce que nous avons eu comme expérience. Les élections ne sont pas... Les années d'expérience, c'est l'habitude de vous sauter. Donc, je me pose la question. Quand vous voudrez chercher un expert en X matière, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait comme recherche, comme domaine, etc. Si vous avez fait 10 ans, 15 ans dans une science ou etc. que vous en maîtrisez, vous ne pouvez pas vous présenter comme expert avec votre technicité pour réduire certaines choses que les autres n'ayant pas cette expérience peuvent faire à un délai. C'est la fin de donc, allez-y comprendre que non. Prévenons la question, il y a état de siège. Non, ils ont plus de temps que moi. La question est état de siège. Ils sont incapables, ici, d'affirmer et de confirmer que l'état de siège est une réussite totale. Mon Dieu! Pourquoi ça? Non, je suis très clair. D'abord, Bounagana, s'il vous plaît, on se retrouve demain. Au revoir.